30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque eu ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Et ben alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Que frio! Te has bebido el bar entero? Cigarette? Vaya sitio más tétrico. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Eh ben dis donc, il a mis du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Y'a quelqu'un? Oh, señor de ignorar.
désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino aquí. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'était quoi? Putain, j'y crois pas. Quand on pense avoir tout vu. Bonsoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan. Du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte... J'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse.
puedes esconder. ¡Agarradlo! Cadeau. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête.
perchoir à Condor 1. J'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, Seigneur. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Oh, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh, mais manquez plus que lui! Vous êtes qui? Restez où vous êtes! Oh. Sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel? Hey, arrête ça! Hey, Yankee, t'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hé! Arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé pour ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Je parie que t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient? Où ça? Qui sait? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Être avec toi, c'est pas une vie. Hey, où est-ce que tu vas? Plus, amigo. Merde, mon équipement. Condor 1 à Perchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Par ici, étranger. C'est qui? On va pouvoir faire des affaires, toi et moi. Ah, bien joué!
t'as prouvé que t'étais digne de confiance. J'ai mis la main sur quelques raretés, étranger. Tu voulais sur Luis Serra. Apparemment, il a travaillé comme chercheur pour Umbrella. Umbrella ? J'aurais dû le laisser pourrir dans ce sac. Je t'envoie les détails. Regarde, mais Eglon reste la priorité. Bien reçu. Je me dirige vers l'église. Condor 1, terminé. Toi aussi, hein? Fais attention à toi. Condor 1 à Perchoir. L'église est fermée. Et Eglon ? Négatif. Toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. S'ils font ça, il y a forcément une raison. Oh, elle est là. Il n'y a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor 1, terminé. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Putain, c'est énorme.
maintenant que tu vas m'avaler, hein? Au sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. À l'aube, tu rejoindras toi aussi notre culte. Tu profiteras de ma sainte bénédiction pour toujours. Condor 1 à Perchoir. Tu me reçois ? Condor 1 ? Ça fait 3 heures que je suis sans nouvelles. Tout va bien ? Ouais, ça va. Ça se reproduira plus. Et l'église ? Je cherche toujours la clé dont j'ai besoin. Reçu. Contente que t'ailles bien. Terminé. Une sorte de sanctuaire. Le même symbole qu'à l'église. C'est ça, la clé ? C'est le lac.
Qu'est-ce qui se passe ici? Condor 1 à Perchoir. J'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant, va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1, terminé. J'ai failli finir en crêpe. Ok. Direction l'église. Merci, vieux. Ashley? Ashley Graham, vous êtes là? Laissez-moi. Écoutez. Calme-toi. Je m'appelle Léon. Je suis ici sur ordre du président. Ok, super. Hey, c'est dangereux dehors. Il faut que tu m'écoutes. C'est quoi ça? Là-bas. Poursuivez-les. Les agneaux égarés s'enfuient. Perseguez-les. Offrez-leur don. Le salut. Qu'on fait? Ton père me fait confiance. Alors fais-moi confiance, toi aussi, et fais exactement ce que je te dis. Je vais te ramener à la maison. D'accord. D'accord, Léon. Abrisa, abrisa, c'est ça, Anna.
Fichons le camp d'ici. Ok. Michel. Moi ? D'accord. Aprisa, se escapan los corderitos. Guiadles hacia el mercado infinito. Pas d'issue. C'est mort. T'inquiète, je te rattrape. Ça va aller, Ashley. Bonsoir, je suis avec Eglon. Reçu. Elle va bien ? Affirmatif. Bon travail, Condor 1. Un hélico par deck possible. Je t'envoie les coordonnées exactes du point d'extraction. Rends-toi là-bas et qu'il n'arrive rien à Eglon. Compris. Fais vite. Le temps se dégrade. Terminé. Comme je le disais, ça va être dangereux. Reste près de moi. D'accord. Señorita a un prénom et c'est Ashley. Et vous êtes ? Moi, c'est Luis. Encantado. Super. Les présentations sont faites. Alors, qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu fous ici ? Très bonne question, malheureusement. Cache-toi, vite. Dans ce cas... Viens, aide-moi. Ashley, dépêche-toi. Par ici. Allez. Ah!
pas mal, hein. C'est bon pour celle-là. Il y a quelque chose qu'on appelle Blaga. Ok. T'as vu ces gens, pas vrai? Bah toi, t'as la même chose dans ton corps. La même chose qui les a rendus comme ça. Ça, ce qui t'arrive, ces symptômes, eh ben c'est que le début. Je veux pas devenir comme eux. Quelque part, on peut dire que t'as de la chance. Tu vois, à ce stade précoce, parasite, la plaga. Il est encore possible de l'extraire par une opération chirurgicale. Il faut juste un peu de savoir-faire et aussi le bon matériel. Quoi, toi aussi?
Vous en faites pas. Louis a un plan. Mais va falloir me faire confiance. Super, on est partenaires. Attends, pourquoi tu... Pas de temps pour les questions, l'heure tourne. Pourquoi tu nous aides ? Eh bien, ça m'aide à me sentir mieux. Restons-en là. Je vous recontacte plus tard. Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre ? Malheureusement, je l'ai pas sur moi, là. Et tu devrais plutôt me féliciter pour mon excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer, juste avant d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok ? Et j'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Ici Perchoir. Mauvaise nouvelle, Condor 1. Avec le temps qu'il fait, l'hélicoptère ne pourra pas se poser. Est-ce que tu peux attendre que ça se calme ? Négatif. Trop risqué. On va essayer de trouver un endroit plus sûr. Désolé. J'aimerais pouvoir faire plus. T'en fais pas pour ça. On rentrera à la nage s'il faut. Condor 1, terminé. On y va. Qu'est-ce qui va m'arriver ? T'inquiète pas. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de se tirer d'ici. Ouais, t'as raison. Cache-toi. Ok. Ça va pas être possible, Anthony. C'est bon, on y va. Ok. Ashley ! Léo ! Ton âme doit être purifiée. Ashley, cours ! Vite !
t'occupe pas d'eux. Écoute, c'est toi qui veux. Donc si jamais on le revoit, tu cours. Mais... et toi ? Je ferai ce que j'ai à faire. Mais... jette un œil. Quelque chose va forcément te plaire. Commissionnaire, tu le sais ça ? Oh, tout-puissant, donne-moi la force d'écraser tes ennemis. Putain de merde ! Ashley, cours ! D'accord ! Hasta luego ! À ça. On va jouer à ça. Insecte, j'aurais dû m'en douter. Ça, t'as dû le sentir passer. Claquette pour toi, c'est fini, mon pote.
Salue ton dieu de ma part. Va sûrement attirer leur attention. Restons pas là. Léon, je vais pas devenir comme eux, hein? Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je te le promets. Au moins, on est sûr de ne pas être suivi. Allez, en route. Hola, c'est Louis. Toujours dans le coin? Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va? Eh bien... disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao. Ok, Ashley. Louis a dit que... Je sais. Je suppose qu'on devrait y aller. Des arbalètes, hein? Il y a quelque chose qui me dit qu'ils sont pas très amicaux. La cour doit être derrière cette porte. Pas sûr que nos hôtes déroulent le tapis rouge. Ben, c'est de mieux en mieux. Soyez les bienvenus dans mon château. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, Monsieur Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste? Moi, je vous en prie, appelez-moi Ramon. Et permettez-moi d'aller droit au but. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Maintenant. Ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle reste avec moi. Oh. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin. Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître, sa sainteté, Lord Sadler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas? Jamais! C'est pas moi qui l'ai dit. Comme c'est regrettable.
fait que notre invité se sente chez lui maintenant qu'il a choisi la mort. Léon, t'éloigne pas. Qu'est-ce qui s'est passé en bas ? Rien. Mais t'avais raison pour les animaux. À quoi ça sert, ça ? Certainement pas. C'est seulement une réplique. Ah ! Apparemment, t'avais raison. Salutations, Monsieur Kennedy. Êtes-vous enfin prêt à livrer la fille ? Putain, ça faisait longtemps. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. T'es sûr que ça va ? Ouais.
Ça a l'air d'être ici. Ça va? Je crois. Au lieu de t'inquiéter pour elle, inquiète-toi plutôt pour toi. Pauvre petit agneau. Retiens-toi, mon enfant. Ashley. Condor 1, aperçoir. C'est la merde. On s'est réfugié dans un château, mais j'ai été séparé des glones. Aperçoir, j'entends mal. Tu me reçois? Condor 1, pont. Est en route. Et merde! Y'a rien qui va. Je te conseille de ne pas bouger, Léon. Ce serait bête d'utiliser ça. Pas vrai? Eh ben, précisant, j'aurais espéré un meilleur accueil. Ada. T'as pas l'air surpris. Intéressant. Et c'est le couteau la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes. Alors tu travailles pour qui cette fois? Oh, Léon. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Laisse la fille. Il est trop tard pour elle. Va-t'en maintenant. Et qui sait? Avec un peu de chance, on se reverra. Et tu auras peut-être l'accueil que tu espérais. Tu crois que je vais abandonner si facilement? Je vois. Et si on continuait cette discussion une autre fois? Eh ben, si je m'attendais à ça... Elle a dit qu'elle voulait pas te revoir. Eh bien, tant mieux. Au moins, je n'ai plus besoin de me montrer magnanime. Nous allons enfin jouer selon les règles de la famille Salazar. Oh, vous m'attendiez?
Ok, je vois comment ça marche. Dégage. Pas mal, hein? Vraiment à me faire chier un point, c'est pas ça. Il marche. Voilà,
Désolé, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Ashley, où est-ce que t'es ? Ça a dû être horrible. Je sais, je sais. Toi aussi ? C'est normal d'avoir peur. Mais tu peux pas fuir. Tu dois avancer. On va vaincre ce truc. Ensemble. Je sais pas si j'en ai la force. Mais si. Par contre, préviens-moi la prochaine fois que tu veux me poignarder, d'accord ? Léon. Merci. Louis, t'es où ? Désolé, j'ai merdé. Viens me sauver, prince charmant. Tu sais ce qu'il te dit, le prince charmant ? C'est bon, je suis dans la salle de bal après la cour. Sois pas en retard pour la danse. C'est quoi ce mec ? Il a des ennuis, on va pas le laisser tomber. Une salle à manger. Manger ? Ici ? Non, merci. Assieds-toi. Compris. Je crois qu'on a trouvé. Ça rentre. Ashley, reste là-haut. D'accord, sois prudent. Putain, c'est quoi cette connerie ?
Ouais. C'est de la câblotte, ces chevaliers. Merci. T'es sûr que t'as rien? Je t'ai pas brûlé, j'espère. Non, merci du coup de main. Ça m'a bien aidé. Ashley. Ok. Comme ça. Une horloge? Caché. Il doit y avoir une salle secrète en haut. Des clés. Thank you.
Ashley ? Est-ce que ça va ? Attends ! Je vais trouver une solution ! Juste de dire.
Soyez sympa, ne bougez pas. Ashley, tout va bien? Ouais. Attends, je vais te sortir de là. Hé! Attrape! Tu crois que tu peux descendre? Je te rattrape. Alors, du nouveau sur l'ambre? Désolée, pas encore. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Ada ? J'imagine que non. Alors j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dur le babysitting, hein ? Hé, hey, Ada ? Ada ? Génial. Elle change pas. Ha 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 ha!
avez beaucoup de fils à retordre. Léon, stop! Ne t'approche surtout pas! T'es blessé? Attention! Non! Allez-y, poursuivez. Non! Ne résistez pas, très cher. Cela ne ferait que rendre votre souffrance insoutenable. Pitié! Pitié! A qui nos despedimos, señor Kennedy? Tiens bon, Ashley. Je vais venir te chercher.
C'est le clébard. Tu veux jouer à cache-cache, c'est ça? Qu'est-ce que tu prépares? Trouve ça. Alors, tu la ramènes moi là, hein? Enfin, un peu de calme. Toutes mes condoléances à ton maître. Ta souffrance peut prendre fin, comme elle a pris fin pour notre petite dernière, qui nous a rejoints dans la communion désormais. Elle est notre chair, notre sang. Mon fidèle disciple lui montrera la voie. Allez, offre le salut à ces pauvres âmes égarées. À vos ordres. Je vais te faire un prix d'amis. Tu te sens mieux? Ouais, je crois que ça a marché. Malheureusement, ça te permet juste de gagner du temps. Les effets de l'inhibiteur s'estomperont bientôt. T'es prêt à y aller? T'en fais pas pour moi. Ashley est la priorité. Dans ce cas, on sait ce qu'on a à faire. En route, Sancho Panza! Allons secourir la princesse Dulcinea. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Hey, c'était ma lance! Ok, on se dépêche. Pourquoi tu m'aides?
Qu'est-ce que tu gagnes? Pas besoin d'être aussi méfiant. Je t'ai dit que je t'aiderais, non? Après toi, j'insiste. Un vrai gentleman. Tu me revendras ça? Oui, fais gaffe! Voilà, on est quitte. C'est toujours comme ça, dis-toi! Sur le point de passer aux choses sérieuses. Oh yeah! Je crois qu'on peut passer par là! Viens. Alors? C'est ouvert. Oh. Eh ben, on a chié. Bon, je pense qu'ils ont des monstres comme ça, même ici. Ce sous-sol est sacré pour eux. C'est ici qu'ils ont découvert Las Plagas, conservé dans des dépôts d'ambre très anciens. Ils avaient que ça à foutre. Tu veux quand même pas qu'on monte là-dedans? Parce que t'as une meilleure idée? Allez, pousse, Sancho! Qui est-ce que t'appelles Sancho? Ça y est, on roule. On devrait aller plus vite avec ça. J'arrive pas à croire que je fasse ça. Eh, on est pressé, non? Oh, au fait. Quoi encore? J'espère que t'es bien attaché. Thank you.
Ça y est? Tu rigoles? Les choses ne font que commencer. Ok, on y va. Ah, je hais ce truc. Prochaine fois, ok Sancho? Ouais, c'est ça. Oh la vache! Mais finalement, on s'en sort bien. Voyez, prenons cet ascenseur. Pour ces conneries. Je te comprends pas. Pourquoi risquer ta vie comme ça? On se connaît à peine. Je te l'ai dit. Ça m'aide à me sentir mieux. Sois franc avec moi, pour une fois. Los Illuminados. J'ai travaillé pour eux. Tu vois, je le savais. Vous aider tous les deux n'efface pas le passé. Je le sais. Mais quand même... Je veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Dans ce cas,
Arrête un peu de déconner. T'y vas fort pour un écuyer. On est sorti de cet enfer. Ah, ça commence à sentir l'air frais. Pour le fin. Parce que si on est arrivé jusqu'ici, ça veut dire qu'on est presque. Presque quoi? Louis! Ça fait un sacré bail, hein, le bleu. Major Krauser? Mais putain! Pourquoi? Je viens récupérer des objets volés. Et j'en profite pour éliminer quelques rats. Un plaisir. Alors, Ashley, c'était vous. Tu comprends vite. Qu'est-ce que je t'ai appris? Les couteaux sont plus rapides. C'est cette secte qui vous manipule? Ça n'a rien à voir avec eux. Je suis un homme libre, j'ai fait un choix. Oh là. Ils nous ont tués. Sans honneur. Sans pitié. Mais avec leur puissance écrasante. Alors que j'ai du mal à vouloir la même chose pour moi. Krauser. Assez joué, le bleu. T'as vraiment pas changé d'un poil. Quelle déception. Ça se présente mal pour moi, hein, amigo. Et quelle perte pour les femmes du monde entier. Parle pas. Prends ça. C'est la clé de mon laboratoire. Vas-y. Et élimine ces putains de parasites. Sauve. Ashley. J'ai fait des conneries dans ma vie. Mais maintenant... Qu'est-ce que t'en dis, hein, Léon? Les gens peuvent changer, non? Tu t'es bien battu, Don Quichotte. Tu t'en tireras pas comme ça, Krauser. Sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah, bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais.
je dois bien reconnaître que vous êtes tenace, Monsieur Kennedy. Malheureusement, la partie s'achève ici. Débarrassez-moi de cet intrus. Un ascenseur. Quand même, c'est gentil. Vous abandonnez jamais, hein. Quel enfoiré. Ainsi, je vous ai remis la fille, comme je vous l'avais promis. Dites à notre seigneur de ne pas oublier la loyauté de son serviteur, Rama. Ashley! Léo! Comme vous êtes stupide, Monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler. Ah, tu parles et pourtant, trop. Vous échouez à... Oh! Espèce de rythme sans aucun savoir-vivre. Comment osez-vous? Laissez-moi vous montrer le pouvoir que j'ai reçu de mon maître. Le pouvoir du Dieu. Tout est prêt pour l'acte final. Vous n'êtes rien de plus qu'un figurant dans mon scénario, Monsieur Kennedy. Alors ne prenez pas la grosse tête, votre instant de gloire est déjà passé. Ne mêle pas à ton scénario pourri. Eh bien, pourquoi ne pas me montrer à... Était-ce un acte de défi ?
Ashley, pas de temps à perdre. Où est-ce que tu l'emmènes ? Fais chier. Tu cherches quelque chose ? J'ai l'impression que t'as quelque chose à me dire. Disons que j'ai une question à te poser. Mais je m'attends pas à ce que tu me répondes. Raccoon City. Tu sais, après l'incident, le monde a changé. T'essayes de sauver une personne et il y en a 100 qui meurent. Peut-être que moi aussi j'ai changé. Toi ? Léon Scott Kennedy, tu n'as pas changé. C'est juste dans ta tête. Bref, voilà ma question. Est-ce que t'as changé, Ada ? Ou tu comptes encore te servir de moi ? À ton avis ? On y est. Ne prends pas la tête, beau gosse. À plus tard. Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est un vrai guépier ici. Je vais devoir être prudent si je veux m'en sortir. Ashley. Te voilà. Les projecteurs. Il vaut mieux les éviter. –
Je dois faire vite. Ashley ! Ashley, réveille-toi ! Il faut une carte.
Putain. Quel genre d'expérience ils font ici? Écriture de la carte terminée. Il me faudrait une clé à molette. Même ce truc est contrôlé par les parasites. Thank you.
Tu vas t'en sortir. Léon ? Pardon, j'ai tardé. Non. Merci. T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever ? Où est Louis ? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez. Le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Ravi de t'aider. À charge de revanche. Merci. De rien. Léon ! Pas mal. Léon ! Regarde. C'est l'ascenseur ? Si on pouvait détruire ce mur... Boule de démolition. Laisse-moi faire. Attends. T'es sérieuse ? C'est
C'est ça qu'on vous apprend à la fac maintenant? Je suis pas au courant des dernières réformes. Écarte-toi. C'est une raclée que vous voulez. Je veux bien vous rendre service. Yeah!
Désolé, j'ai glissé. T'as vu ça? J'ai trop assuré. Je crois que t'as trouvé ta vocation. Tout va bien? Ouais, ça va. Je me disais, on forme une bonne équipe, non? Sans doute, ouais. Peut-être qu'un jour, je deviendrai un agent comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait protéger notre pays contre n'importe quoi. Si tu le dis. Enfin, pour ça, il faut déjà qu'on sorte vivant d'ici. T'es pas drôle. C'est sûrement ça dont Louise parlait. Prosternez-vous. Ceci est notre corps sacré, notre divine providence et bientôt. Une profonde bénédiction pour tous. Las Plagas. Bienvenue, mes enfants. Je suis Osmund Sadler, le prophète de notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Pauvres imbéciles. Pourquoi refusez-vous la grâce ?
Allez, abandonne ton corps. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur. Seigneur, pardonne à ces pécheurs. Mon fidèle disciple t'infligera ta pénitence. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Soumets ton corps et libère-toi de cette peur. Espèce d'enfoiré. Félicite d'être arrivé jusqu'ici, le Bleu. J'ai préparé un champ de bataille un peu plus loin, rien que pour toi et moi. Plusieurs générations l'ont imprégné de leur sang au cours des siècles. C'est l'endroit parfait pour mettre fin à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Jette un œil. Quelque chose va forcément te plaire. Fais attendre. Le Bleu. Ah, tu t'inquiètes pour la fille, c'est ça. Ça te ressemble bien. T'as toujours manqué de discernement. Mais si tu crois que je vais te laisser sortir d'ici vivant, t'es encore plus naïf que je le pensais. Tu peux pas la sauver. Tu ne peux sauver personne. Laisse tomber, Krauser. Être le larbin de ces cinglés, ça ramènera pas tes hommes. Et tout ça pourquoi ?
te venger du gouvernement? Tu crois que c'est ce qu'il voudrait? Me venger? Parce que tu crois vraiment que je fais tout ça pour me venger? C'est l'impression que ça donne. Tu vois, dans cette jungle, j'ai eu une révélation. La chose la plus importante dans ce monde, c'est la plus pure et la plus absolue puissance. Les Illuminatos m'ont donné ça. T'as toujours été un connard. Mais au moins, t'avais quelques principes. T'avais de l'honneur. Regarde-toi maintenant. Arrête, tu vas me faire pleurer. Prépare-toi à te battre, soldat! Allez, cours, le bleu! Comme si j'avais le choix. Qu'est-ce qu'il y a? Sois sans pitié! Où est ton instinct? Tu es lent! Et qu'est-ce que tu peux être faible? Tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait ce qui est arrivé à la fille? Tu te souviens de ce combat dans la jungle? On avait bien failli y rester! Suis ton instinct, ne pense pas. C'est la première chose que tu m'as apprise. Inconscient! Connais pas mal en tactique de guérilla. Tu te souviens? Comment je pourrais oublier? Rien de tel qu'une bonne charge. Toujours vivant, hein? T'as de la chance. Je l'accorde. Le fait que t'aies survécu jusqu'à présent mérite d'être salué. Je serais mort depuis longtemps si j'avais écouté des mecs comme toi. Tu vas pas faire long feu si tu bouges comme ça. La faucheuse vient pour les lâches et les inconscients. Tu es quoi? T'as réussi ton épreuve avec brio, comme ta médaille. C'est fini, soldat! C'est vraiment ce que tu veux? Il est pas trop tard! Toi et moi, on est les deux faces d'une même pièce. Ce qui veut dire qu'on a... Ça y est, t'as fini, Krauser? Je te l'ai déjà dit. Et répété. Maintes fois. T'as pas le cran de faire ce qui est nécessaire. C'est la différence entre toi et moi, le bleu.
puissance! T'as complètement pété les plombs, Krauser. Prépare-toi! C'est ça, ta vraie puissance? À ta place, je me ferai rembourser. Tu vas regretter d'avoir ouvert ta grande gueule. Tu t'en tireras pas! J'ai hâte de te voir souffrir! L'entraînement n'est pas fini. Ta dernière leçon commence maintenant! Non. C'est l'élève qui va corriger le maître. Oh, je te trouve bien confiant. Amène-toi! Hein? Est-ce que t'es prêt, le bleu? Ouais. On va régler ça. Je savais bien que tu arriverais jusqu'ici. Bah, mais j'en attendais pas moins venant de toi. Après tout, je suis le mieux placé pour connaître ton potentiel. Quel dommage que tu ne puisses pas voir la vérité. Je t'ai bien formé. Léon. Ça, c'est sûr, Major. Ça, c'est sûr. Putain, c'est bien gardé là-bas. Ça doit être leur sanctuaire. Ashley! Voy a bañarme en tu sangre!
Recubierto. Recubierto. C'était quoi? Oh!
est temps d'inverser le rôle. Thank you.
traversé? Quand on sera rentré, je peux m'attourner. Je connais un Varkul. Ashley! Te voilà, mon enfant. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux simplement partager ce don avec le plus grand nombre. Un humble désir, n'est-ce pas ? Vois-tu, nous sommes tous liés par le corps sacré. Maintenant, ta chair, tes os, toutes tes pensées font partie intégrante de nous. Va chier. Pourquoi rejeter la sérénité alors qu'il te suffit d'accepter ce don sacré comme elle l'a fait. Sadler ! Ah oui, l'heure est venue pour cet agneau de s'unir à nous. Oh, qu'il soit béni, reçoive la douce miséricorde. Exultons, et qu'il en soit ainsi. Léon ! Va-t'en ! Laboratoire B. Ça devrait être par là.
merde. Ashley. Ashley. Je suis là. J'ai cru que t'allais mourir. Ça va. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Ouais, c'est moi. Tu peux te lever ? J'ai trouvé ça. Apparemment, on peut sortir en allant par là. Hé, on est une équipe, non ? Continue comme ça, et je perds mon job. Donc, tout ça, l'élimination des parasites, c'était Louis ? Ouais. On est vivants. Grâce à lui. Tout est en ruine. Cette femme qui nous a aidés, tu penses qu'elle va bien ? Oh, je m'en fais pas pour elle. Tu sais, elle est plutôt du genre coriace. On dirait que tu la connais bien. Thank you.
N'oublie pas... Car ma feu rime avec jeu, étranger. Léon, regarde! Ada. Il essaie de m'appâter. Reste là. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Yeah.
Enfin un look qui te convient, Sadler. Dégueulasse dedans comme dehors. Dommage. Tu dois écourter sans doute. C'est pas moi le problème. C'est toi. Le prends pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas, j'en prendrai bien soin. L'hélico est là. Tu viens? Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que nos chemins se séparent. Je vois. À la prochaine, Léon. Léon ! Elle va où ? J'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi est-ce... On se tire. L'île va sauter. Elle va quoi ? Elle va sauter. Ici. Ouais. On va enfin rentrer. C'est pas encore fini. Sans leur maître. C'est fini pour eux. Ok. Bien joué, Ada. Donne les sensations fortes. Alors, tu vas adorer ça. Attrape-toi!
Ça va? Je sais pas. C'était dingue. Accomplie. Elle sera accomplie. Quand tu seras chez toi. Merci de m'avoir sauvée. Y a pas de quoi. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps si ça te dit. T'as pas besoin de moi. T'as prouvé que tu savais te défendre. Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Allez. On rentre. Condor 1 ? Perchoir à Condor 1, tu me reçois ? Réponds ! Allez, réponds ! C'est allumé au moins ? Léon ! Léon, vous allez bien tous les deux ? Mais où est-ce que t'es ? Réponds ! Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ambre. Excellent. Juste une question. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Je ne te paie pas pour poser des questions. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. Très ambitieux. On change de cap. Tout de suite.